bonjour à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue au baptême de Monsieur Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on en repart pour un petit live à la maison. Merci Billy de m'avoir... Je te disais, en gros, ouais. Il y a un bug avec le Zoom, du coup, tu peux pas voir. D'accord. Ok. Tu vois aussi, c'est là. Ouais, je vois pas grand chose. Tu veux pas mettre en écran ? Merci, ma chérie. Non, je sais pas si ça va. Ouais, c'est mieux déjà. Bonjour Géraldine, bonjour Agathe, bonjour Marc. Voilà, on est reparti. Donc je vais vous faire des chansons plutôt effectivement de l'ancienne époque. Et en même temps, des choses que je joue pas souvent. C'est parti. Mais comment faire pour aimer sans calculer? Juste s'évader, s'oublier. Je me plie en trois sur moi. Je me casse en douze pour toi. Je me multiplie parfois. Pour effleurer ton passage. Aimer encore ton visage. J'utiliserai mon cœur par deux. Si tu t'additionnes un peu, un infini grand, je te vois 100% conquis.
toi. Je sais, non, ce n'est pas très égocentrique. L'amour mathématique, l'amour mathématique, l'amour mathématique. Ouais, je vous ai pas expliqué. Donc, c'est pas évident. On avait fait un petit cadrage pour vous montrer un peu que j'avais effectivement une batterie au pied. Donc, mon petit hommage à Rémi Brica, que j'adore. Et donc, je joue effectivement grosse caisse, caisse claire, avec le petit tambourin là, un petit grelot sur le pied. J'ai une cymbale ici. Et donc, je peux effectivement faire guitare et batterie en même temps. Donc, ça, c'est plutôt rigolo. Donc, voilà. Alors j'ai oublié un truc, c'est que la première chanson, Le Baptême, je la dédie à Sandra Cambusa, j'espère que c'est son nom, qui m'a laissé, parce que j'ai eu donc des beaux messages évidemment, que vous m'avez laissé des sublimes messages, et donc des petites histoires qui vont avec, des histoires très touchantes aussi. Ça me fait penser donc à Sandra à qui je dédie le morceau, et ça me fait penser aussi à Manon qui était venue me voir après un concert de la Momali, et qui voulait absolument chanter une chanson avec moi. Donc après on était là dans les... sortie des artistes, etc. Et on a chanté cette chanson, Le Baptême, ensemble. Donc je sais que c'était un moment déjà génial pour moi et génial pour elle, je crois aussi. Donc c'est voilà, une pensée pour Manon. L'amour mathématique, je la dédie à Christelle Jarre, parce que c'est son anniversaire et qu'elle voulait que je chante cette chanson. Donc voilà. Et là, c'est une chanson que je dédie à ma communauté, Aimez-nous. Parce qu'on en fait toujours donc, des petits sondages, mais c'est le morceau que vous vouliez que je joue. Donc ça fait sérieux. Attends, j'accorde juste la guitare. Yes. Ok, on essaye. Madame rêve d'atomiseur et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de forme oblongue et de totem qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, fusée qui l'épingle au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, on est loin. Madame rêve ad libitum, comme si c'était qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougère, de foudre, c'est de guerre à faire et à refaire. Flingue, d'une fusée qui l'épingle au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, on est loin. On
on est loin. Voilà, pensez pour Alain Bachung, que j'ai eu la chance de rencontrer, de vivre des moments vraiment puissants avec lui. Des grandes discussions philosophiques. Enfin, même pas philosophiques d'ailleurs, sur la vie, tout simplement, très simple. Mais encore un homme vraiment d'une grande humilité. Et puis un très très grand artiste. Parce que singulier, parce que rare, parce que unique. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis de jouer avec lui aussi, de chanter avec lui. Une chanson qui s'appelle What's in a Bird, qu'on a fait à l'époque dans un studio à Bruxelles. Grand moment aussi. Ah, alors voilà, alors là je vais vous faire aussi une... Bonjour à tous, hein. Bonjour Hélène, bonjour Rudy, bonjour Aurélie, bonjour Simba. Salut à tous. Alors un morceau... Ah ouais, tiens, je l'ai pas là. Attendez. Il est là. Non, c'est ça, c'est ça. Alors ça aussi, ça c'est un morceau important. Important parce que je le dédicace à, déjà à quelqu'un que j'adore. C'était son anniversaire le même jour, imaginez-vous, que ma mère, Baya. Et donc j'ai complètement oublié de faire un petit mot pour lui. Quelqu'un vraiment qui me compte pour moi, un ami très cher, Raphaël Amburger. Donc voilà, c'est effectivement plus le fils de France Gall et de Michel Berger. Et quelqu'un que j'adore. Et voilà, il voulait que je chante cette chanson. Donc je vais le faire pour lui, pour son anniversaire. Elle s'appelle Faut oublier. Un morceau que je joue assez rarement aussi. Enfin, que ça fait longtemps que je n'ai pas joué celui-là. Alors voici. De ma sombre pensée, comme un antidote pour me protéger, faut oublier. J'oublie les mensonges et les actes manqués. Parfois, certains songes trahissent mes pensées. Faut oublier. Je mitraille en automatique. Dans ma tête ça va très très vite. Mais ma mémoire est sélective. Les souvenirs qui dérangent te vivent. Vers je ne sais où. Triste pensée, j'évite toutes ces guêpes qui pourraient bien me tuer. Faut oublier, je mitraille en automatique dans ma tête très très vite, mais ma mémoire est sélective, les souvenirs qui dérangent te. Je ne sais où. Oh.
Vincent, Caroline, Fanfan. Alors, morceau encore plus rare. D'ailleurs, je crois que c'est celui que je chante dans le petit extrait qu'on a laissé là sur le petit message Facebook. Qui est un morceau que je faisais, donc je crois que c'est un de mes premiers morceaux. Donc ça fait comme ça, rien. Alors celui-là, je le dédie d'ailleurs à Ellie. Ellie qui dit qu'effectivement, c'est une période un peu délicate où on manque de cul. Je me suis retrouvée fauchée, faute de veine, plumée, casse-laine, tienne. Garde de crédit, non. M'avait rouge, m'avait en haleine. Loser en amour, allez, as-tu le tour, oh. Et je regarde ma vie en pleurant sur mon manque de cul. Rien ne va plus. Jean-Jacques, il me surnommait. Mais quel ridicule sobriquet. Alors je mise et je remise ma chemise. Plus, un peu plus, beaucoup plus, encore plus, toujours plus. Encore, encore, ça vient, ça vient. Rien du tout. À poil plumé, pas pourri gâté, non, plutôt mal barré. C'est l'enjeu du jeu. Tout sur le tapis, je perds mon fric. Je perds mon froc. Je perds ma trique, je la vends au troc. C'est le yin et le yang, du franc, du yen. Je regarde ma vie en pleurant sur mon manque de cul. Rien ne va plus. Et je regarde mes filles en pleurant sur mon manque de cul. Rien ne va plus. J'entendais, vends pas ta maison. C'est une machination 421. Je sens que ça vient, je sens que ça vient. Rouge ou noir, cauchemar. Mais mauvais jour, je suis mauvais joueur. Je sais, mais bonjour, cours toujours. Fauché jusqu'au striptease. Je me retrouve à poil, quelle bêtise. Ce serait comme une mauvaise série à la Dallas. On m'appellerait le Black Gigi de Las Vegas. Et je regarde ma vie en pleurant sur mon manque de cul. Rien ne va plus. Et je regarde les filles en pleurant sur mon manque de cul. Rien ne va plus. Machine à sous, machine à conchination. Machine à sous, machine à conchination. Oh. Machine à sous, machine à conchination. Ça non. Machine à sous, machine à con, machination. Oh. Machine à sous, machine à con, machination. Ça non. Allez. Quel manque de. Voilà. Je crois que j'ai pas joué depuis 15 ans, celle-là.
Salut Benjamin. Hello, Céline, Patrick. Alors, là j'ai une pensée aussi assez émue pour mes amis d'enfance. Alors ils sont nombreux, hein. Je pense à Cyril Houplin d'ailleurs. Cyril Houplin qui a été incroyable parce qu'on a commencé quand on a fait M. C'est toute une bande avec ma sœur Émilie, avec Cyril, avec Lisa Rose. Donc Lisa Rose faisait les photos, Émilie faisait les vidéos. Cyril Houplin faisait les dessins et des concepts géniaux. C'est lui qui a trouvé le M, le premier M, et qui a fait la pochette du baptême et tout ça. Tous les décors, plein de décors du premier album et, tout, enfin, et de plein de choses. D'ailleurs, il m'a suivi vraiment sur cette aventure et beaucoup sur les débuts. Un mec incroyable, très talentueux. Un grand ami, mon meilleur ami. Quand on avait, je sais pas, oh là là, 16-17 ans. Enfin, en tout cas, on se voyait tout le temps. Et voilà, donc Émilie et tout le monde. Pourquoi je disais ça? Je me suis perdu. Oui, et donc, effectivement, quand j'ai commencé mon premier groupe, c'était donc quand j'avais genre 13-14 ans. Et c'était avec notamment Julien Voulzy, Pierre Souchon, toute cette famille-là. Et voilà, des gens qui vraiment font partie de mon histoire aussi. Et donc, j'avais envie d'avoir une pensée aussi pour eux. Et donc, une chanson, je vais faire une chanson du papa Souchon, que j'adore, qui a été évidemment quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup, puisque j'allais tout le temps voir les concerts d'Alain, avec Pierre et Charles aussi, évidemment. Charles qui a aussi son nom d'artiste, Ours. Enfin, ils sont tous très talentueux dans la famille. Et voilà, donc je vais faire une chanson pour eux. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. La vie toute entière, absorbée par cette affaire. Par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en leur regard méprisant, laissant le vent tout faire. Elles, dans le suave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur cette terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument. Pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Qu'elles veulent pas qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent, tout ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge. Fanfare bleu, blanc, rouge, vert de rouge et vert de rouge, l'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elles, pas fières, sur leurs escabeaux en leur regard implorant et ne comprenant pas tout. Elles, dans le grave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Salut Aurélie, Stéphane, Frédéric, Stéphanie, Agnès.
Alors, ça, c'est pas... ça aussi, alors, une chanson qu'on m'a demandé pas mal là, sur le... quand on a fait le petit sondage. C'est la reprise qu'on m'a demandé, je crois, le plus, parce que c'est d'ailleurs aussi une histoire marrante. C'est-à-dire que on m'a demandé, donc, oh là là, une vingtaine d'années, de faire une reprise de Jacques Brel. Et on m'a proposé de faire cette chanson au suivant. Et j'étais assez inculte en Jacques Brel à l'époque. Ce qui fait que sincèrement, la chance que j'ai eue, c'est que je ne connaissais pas bien cette chanson. Et donc j'ai pu la reprendre d'une manière un peu désinvolte, sans vraiment me soucier du respect de la chanson. Enfin, je voulais évidemment respecter l'œuvre, mais je voulais surtout la réinventer. Donc j'étais pas écrasé par le poids de cette chanson. Et c'est vrai que c'est une reprise qui m'a suivi, que j'ai fait pas mal sur mes premières tournées. Et là, que je dédie à Laetitia, qui voulait que je lui dédie. Letty. Voilà, elle voulait que je lui dédie cette chanson. Tout nu dans ma serviette, qui me servait de panne, j'avais le rouge au front, le savon à la main. Au suivant. Tiens, je me disais que vous pourriez faire les au suivant avec moi, ça serait super. Ok, je compte sur vous. Tout nu dans ma serviette, qui me servait de panne, j'avais le rouge au front, le savon à la main. Au suivant, j'avais juste 20 ans, et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, j'avais juste 20 ans, et je me déniaisais. Bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, au suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire bien à voir le temps. Mais au suivant, au suivant. Ce ne fut pas Waterloo, non. Mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, mais je jure que d'entendre cette tête chutant de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant, au suivant, au suivant. Je jure sur la tête de ma première vérole que cette voix depuis, je l'entends tout le temps ensemble. Au suivant, au suivant. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Au suivant, au suivant. Et depuis, chaque femme, à l'heure de succomber, entre mes bras trop maigres, semblait me murmurer. Au suivant, au suivant, au suivant. Tous les suivants du monde devrait se donner la main, voilà ce que la nuit je crie dans mon délire. Au suivant, au suivant. Et quand je ne délire pas, j'en arrive à me dire qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant. Un jour je me ferai cul-de-chat ou bonne sœur pendue, enfin un de ces machins où je ne serai jamais plus. Suivant, suivant, suivant. Jamais plus le suivant, le suivant, le suivant, le suivant. Yes. Ah. Hello, Mila, Lorraine, Sophie, Magali, Julie, Alain, Clara. Non, attends. Yes, vous avez compris, hein? Donc vous voyez peut-être pas grand-chose.
Mais en tout cas, vous voyez que je bougeote l'urine comme ça. Donc, grosse caisse, caisse claire. Pour ceux qui viennent d'arriver. Tiens, je vois que le Instagram ne marche pas. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop le truc. Ok. Donc, ouais, alors ça, c'est pareil. C'est une chanson, alors ça m'inspire aussi plein de choses que je vais vous faire là, qui m'inspire déjà Brigitte Fontaine. Je pense beaucoup à Brigitte Fontaine, qui m'a écrit cette chanson, qui a été d'ailleurs chantée par Johnny Hallyday aussi, parce qu'il avait craqué quand il l'avait entendue à l'Olympia, quand il était venu me voir en concert et tout, toute une histoire. Et ça me fait penser aussi à toute la famille, parce que j'ai enregistré ces morceaux à la campagne aussi, et avec mon frère, ma sœur et tout ça, donc c'est toute une aventure assez folle. Je pense à plein de gens, à Pierre Cohen, à Pierre Pocheron. Je les embrasse tous très fort d'ailleurs. Et donc alors ça, celle-là carrément seule comme ça va être rigolo parce que je l'ai pas chantée depuis un petit moment aussi. Et voici. Quand tu bouges à peine, peignant tes orteils, je vois tes dents saines. Au soleil, je suis hors de moi. J'aimerais te dire que je suis à toi, esclave ou satyre. Je suis fou de toi. Joli tanagra, tu me fous la gaule. Mais tu te dérobes, rivière perverse. Ton corps sous ta robe fuit comme une averse. Tes brèves œillades promettent le ciel. Et soudain me seul, tu replies tes ailes. Je suis fou de toi. Viens dans mon épaule, joli tanagra, tu me fous la gaule. Toison contre mon oreille, et puis sans raison, l'esquif apparaît. Un maudit poison d'un épouse au viol, funeste passion. Tu me rends gogo, tu me rends gogol. Tu me rends gogo, tu me rends gogol. Thank you.
suis excité là. C'est assez fou de faire du blues seul. Un peu schizo. Voilà, ça c'est pour les guitaristes. Alors, on en est où? Salut Betty, Julie, Sonia. Bonjour à tous encore. Évidemment, hein, ça devient évidemment redondant, mais je pense que c'est très important de le dire. Et je sais qu'on est tous extrêmement... qu'on a ça en tête tous les jours. On pense évidemment aux gens en première ligne. On pense aux gens qui sauvent des vies toutes les heures, toutes les minutes. En plus, on pense aussi que ça fait quand même un long moment déjà. Donc, on pense à la fatigue, on pense à l'émotion. On pense à plein de choses. On pense à toutes les familles qui les accompagnent. On pense à tous ces gens qui passent par des épreuves incroyables, donc c'est évidemment, y a pas de mots pour tout ça, juste donner de l'amour, de la musique, de la poésie, moi, c'est ce que je peux faire en tout cas, et je le fais avec joie, et voilà, en tout cas je suis sincèrement, c'est vraiment d'abord pour cette raison-là que je fais ces concerts, pour vous balancer de l'amour et de la bonne humeur, de la couleur, je sais que dans ces moments-là, ça peut paraître comme ça dérisoire et on en a besoin beaucoup. Donc je le fais vraiment corps et âme. Ça c'est marrant, c'est un morceau aussi que je... Alors ça c'est drôle parce que c'est un morceau que j'ai écrit avec Capucine. Capucine, c'est la fleur Capucine, c'est elle que j'ai écrit cette chanson. Un amour très important dans ma jeunesse. Et c'est elle qui m'a inspiré d'ailleurs ce premier album, Le Baptême. Je l'ai fait pour elle. Et on a écrit ensemble cette première chanson de M. Et alors celle-là, Souvenir du futur... C'est la première chanson de M. C'est la première fois que j'écris une chanson à ce moment-là. Et donc, on l'a écrit ensemble. Et je vais vous la faire maintenant. Je cherche l'inspiration électronique. Je suis un créateur antistatique. Et sur ma guitare plastique, les vibrations sont techno-tectoniques. Alors je m'allume une ultra light à l'ultraviolet. Ça me rend ultra nerveux. Ça me rend ultra mauvais. Faut que je mette mon spleen à la machine. Faut que je m'assouplisse à la soupline. Mais le monde est rond et ne se ressemble pas. Souviens-toi de demain. Il ne roulera qu'une fois. C'est pas pour hier, non, que demain s'oubliera. J'ai la mémoire courte, mais le futur ne s'oublie pas. J'ai une tendancieuse nostalgie du futur. Ça me ronge, ce songe, et je plonge dans ce vieux murmure. Les fusées muses me reconquêtent et les mots fusent dans ma tête. Même si le ciel dans tout ça, peut-être un jour il s'en ira. Avec toutes mes rêveries, les nuages et mon lit. Mais le monde est rond et ne se ressemble pas. Souviens-toi de demain, il ne roulera qu'une fois. C'est pas pour hier, non, que demain s'oubliera. Moi j'ai la mémoire courte, mais le futur ne s'oublie pas. Tu es un éclair.
tremble pas. Souviens-toi de demain, il ne roulera qu'une fois. C'est pas pour rien, non, que demain s'oubliera. Oui, j'ai la mémoire courte, mais le futur ne s'oublie pas. Yes. Je sais que je vous fais toujours un petit voilà, un petit yes à la fin de des morceaux, parce qu'il faut bien qu'il se passe un truc, sinon il y a une sorte d'énergie qu'on vous envoie, que je vous envoie, et puis j'ai un silence total après ça, c'est fou. Sylvia, Maud, Cécile, Olivier, bonjour à tous. Allez, je vais prendre un peu l'acoustique, faire des morceaux un peu plus cool. Tu veux faire un petit coucou, pas Alors, là, je vais... Ah, ça, c'est important, aussi. Alors, ça, c'est un morceau, parce que j'ai appris, il y a très peu de jours, là, que j'irai pas au Québec, j'irai pas à Montréal, ni à Québec, d'ailleurs, malheureusement. D'ailleurs, enfin, sans faire de grands discours, mais c'est vrai que les Québécois me manquent beaucoup parce que, faut savoir que quand j'ai commencé à mes débuts, vous étiez un des premiers publics qui m'a suivi. Même avant la France, j'ai été encore plus soutenu par les Québécois. Ça m'a vraiment touché parce qu'ils ont cet amour pour la langue française, pour la chanson française. Et ça m'a toujours extrêmement bouleversé quoi, d'avoir été accueilli comme ça là-bas. Et donc là, j'ai appris, voilà, pour toutes les raisons que vous connaissez, que je ne pourrais pas venir. Donc évidemment, je ferai tout pour trouver d'autres rendez-vous avec vous bientôt. Mais je vais faire cette chanson pour vous parce que en France, on ne la connaît pas. Enfin, vous la connaissez, mais pas un peu moins. À part peut-être les grands connaisseurs. Mais je sais qu'au Québec, c'était un des morceaux phares là-bas. Attendez. Je vous parle évidemment d'une époque révolue, hein, c'était il y a peut-être 20 ans, mais j'aime beaucoup ce morceau et donc je le fais pour tous mes amis québécois. Comme un poisson dans l'eau, une bouteille à la mer qui ne date pas d'hier. J'essaye de lire entre tes lignes. J'interprète tes soupirs, tes sourires me font peur. C'est pas ta faute si c'est la tempête, la marée haute dans ta tête. Ça tangue et tu t'en veux. Marée comme tu peux. Côte à contre-courant, j'ai envie d'aller vers ton unique univers. Effaré par ta lumière, l'air de rien, tu m'éclaires. Alors je rame pour te plaire. Pas ta faute si c'est la tempête, la marée haute dans ta tête. Ça tangue et tu t'en veux. Marée comme tu peux. Ça monte en toi. Ça monte en toi.
ça monte en toi. Ça monte en toi. Ça monte en toi. Ça monte en toi. Je vois que là. Voilà encore deux petites chansons. Alors, pareil, ça, c'est une chanson que je vais dédier aussi à ma communauté beaucoup plus secrète qui s'appelle les La Bohémiens. La Bohème. Ça, c'est un morceau qu'ils aiment beaucoup. Ils me demandent toujours de la faire et je ne la fais pas souvent. J'ai une version très belle d'ailleurs que j'avais faite avec Vanessa Paradis, que j'adore. Évidemment, c'est une chanson aussi pour tous les gens qui vont se reconnaître dedans. Allez, une petite dernière.
Pareil, vous l'avez demandé. Voilà, vous l'avez demandé beaucoup cette chanson. Je l'ai fait récemment sur scène avec mon frère Joseph. Des moments rares aussi, d'amour. D'ailleurs, je réécoutais, ça fait un peu pub familiale, mais je réécoutais les chansons de Joseph. Comme Guérir, comme Lumière, des chansons incroyables. Je me disais voilà, que j'avais beaucoup de chance d'entendre des chansons comme ça, en plus de mon frère. Bon, je parle pas de ma sœur, je parle pas de ma fille, je parle pas de mon père, mais voilà, j'avais envie de parler de Joseph. Et de ma grand-mère, hein, tout ça, vous savez déjà. Que je suis très, très comblé d'avoir une famille si inspirante. Alors, une petite dernière chanson. Et là, je crois que c'est Gwenola qui voulait que je lui chante. Alors, je vais lui faire pour elle. Polyphonie sauvage, plume barge au cœur Bartok, dissonant de visage. Toute cette industrie toc, chanteur à plumes, au bec musical, l'orchestre de la lune, pour homme horizontal, oh, à la flémardise tranquille, je me déguise en loukoum, géant sur un tapis volant. Velu d'un tapis vol. Quelques microscopiques fonctionnaires de vacances. Consciencieusement me pique pour me rappeler ma chance. Sans raison, il ne cesse de sévir comme une contravention pour excès de plaisir. Oh, à la flémardise tranquille, je me déguise en loukoum. Géant sur un tapis volant, au volant velu d'un tapis volant. C'est malheureux non dit. Oh, à la flémardise tranquille, je me déguise en loukoum, géant sur un tapis volant, au volant velu d'un tapis volant. Voilà les amours, voilà pour ce soir. J'étais ravie d'être avec vous, grand bonheur. Et je voulais vous remercier encore tous, Carole, Bruno, Cécile, Valérie, Nathalie, etc. Tous les amis, Solange, Aurore. En tout cas, merci à tous. Voilà.
Voilà pour ce soir, mes amis. Portez-vous bien. Restons chez nous, en famille, avec nos proches. Et profitons de ces instants qui sont rares. Positivement, tout ça. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Je vous enjoue mes instruments. Je vous dis à bientôt.